Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo pour profiter de toutes les promotions, comme par exemple le jeu Street Fighter 6 à seulement 37,49€. Et si vous souhaitez vous procurer des jeux Dragon Ball, eh bien sachez que le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 est à seulement 5,78€ et le jeu Dragon Ball Fighters 5,96€. Et il en va de même pour les jeux comme Dragon Ball de cacarotte et plein d'autres. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour vous faire plaisir. Regardez, Super Dragon Ball Heroes, 3,54€, c'est une dinguerie. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fanny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir jouer en PVP le Vegeto Blue Ultra accompagné du Gogetada Blue Ultra, également les deux fusions ultimes ensemble accompagnées de Goku Tag Freezer LF. Je pense que ça peut cogner, ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette team, je vous avais promis cette vidéo. Eh bien, ça va être chose faite, max de pouces bleus en mode Genkidama. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pour moi, ces deux personnages sont vraiment complémentaires. Entre le Vegito qui te fait des combos infinis, début de game, etc., qui peut être vraiment incroyable, et également la mécanique de Gogeta avec sa jauge unique qui se remplit, le mec il peut plus faire de spé, il peut plus faire de blast, etc. Je pense que ça peut donner quelque chose vraiment de oufissime. N'hésitez pas à réagir également dans l'espace commentaire si vous avez testé ça, si bien évidemment vous avez les deux personnages. On est parti. Yeah, ok, première game, on a également du Vegito Blue Ultra en face de nous avec le tag. Alors je vais prendre le Gogeta, voilà. Je commence par le Gogeta Blue Ultra et non pas par le Vegito Blue Ultra pour la simple et bonne raison, c'est que sachez, le Vegito Blue Ultra, quand il entre en scène, il lock la téléportation du personnage. Et pour le coup, ça, ça peut clairement te faire gagner une game, on va pas se mentir. C'est vraiment très très fort. De toute façon, le Vegito Blue Ultra, il a une mécanique vraiment très forte parce que beaucoup font l'erreur de commencer par... Tiens, bah voilà. De commencer par Vegito Blue Ultra. Et vu qu'en fait, ils se disent, tu es lock, tu ne peux pas te téléporter, ils vont strike direct. Tu vois, ils vont balancer une strike direct. T'as juste à switcher le perso, tu esquives et ensuite tu renchaînes. Et là, du coup, il prend cher. Voilà, bah, c'est l'erreur qu'il a faite. Et là, maintenant, une carte. Deux cartes. Trois cartes. Quatre cartes. C'est combo infini. Cinq cartes. Six cartes. Oh là 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 là. Sept cartes. Wesh, on va jusqu'où là? 8 cartes. 9 cartes. Oh là 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 là. 10 cartes. 11 cartes. Oh là 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 là. 12 cartes. Wesh. 13. Oh. Ah, j'ai été gourmand. Non mais les gars, 99 combos. J'allais faire 14 cartes plus l'ultime. Non mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on voulait. Mince, je croyais qu'il allait rattaquer tout de suite. Dommage, dommage. Là j'ai... Non mais les gars, là j'ai fait de la dope parce que j'étais vraiment scotché. Je suis quasiment 12 cartes plus une ultime. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? C'est... Oula, là ça risque de me tuer là. Là ça m'a tué, ok très bien. Allez, let's go. Maintenant c'est le Gogeta. Voilà, maintenant c'est Gogeta. Normalement, il peut pas remettre le Jiren tout de suite, je pense. Ah si, dommage. Je pensais qu'il avait pas le temps de remettre le Jiren. Je me suis dit, soit il va prendre le Freezer, soit il va prendre le Vegito. Bon. Let's go. Gogeta maintenant. Donc là, on a vu le Vegito. Maintenant, on va voir le Gogeta en action également. Let's go. Ah, j'ai pas pu... Bah là, t'es mort. Bah non, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, là, le bonhomme? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, frère? Bah non. Cuisine. Il n'y a pas de Rising Rush ici. Ah, ok. Il a renchaîné Blast fond de map. Ok, très bien. Voilà. Viens ici. Viens ici, je te dis. Le Gogeta. Dommage, parce que juste après, j'aurais fait la verte pour plus qu'il y ait la cover. J'aurais fait la verte et là, il n'y aurait pas eu la cover. Et ça aurait pu lui faire très très mal. Voilà. Hush. Let's go, l'aspect. Putain, il a déjà remis le Jiren. Hein. Le Jiren, il revient très très vite. Hein.
Voilà. Hop. On switch sur Freezer. On va récupérer la TP. Voilà. Voilà, parfait. Tu vois, il a zappé que je pouvais récupérer la TP. Et du coup, bah là, il s'est fait avoir. Allez, déjà, un kill. Donc, j'ai fait l'aspect, pourquoi? Parce que je voulais prendre le kill, soit le VB, soit directement le tag. Et là, du coup, c'est le tag. Donc, c'est vraiment très bien parce que maintenant, je peux Rising Rush. Voilà, je peux Rising Rush en toute sécurité. En espérant qu'il me le contre pas, ça serait pas mal quand même. Parce que, quand même, on connaît, tu vois. Bien évidemment, il me contre, sinon, c'est pas drôle. Mais c'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Voilà, viens ici, hop, s'occupe de toi. Voilà. Cuisine. Végéto, au début de game, il a été incroyable. Et là, on peut le voir. Le Gogeta a été incroyable. Et maintenant, finissant en LF. Bah oui. Bah oui. Vous voyez ou pas? Le Végéto, début de game, les gars, on a quasiment fait 14 cartes. Plus une 15e avec l'ultime. C'est un délire. Et là, le Gogeta, on a vu, il a été incroyable également. Et bien évidemment, on finit aussi avec le LF du fameux tag. La game, franchement, les gars, incroyable. Je pense que là, on est d'accord, c'est incroyable. T'as une team comme ça, elle est vraiment complémentaire à la team. Et on va pas se mentir, tu prends du plaisir. Non, vraiment, le Vegito Blue Ultra qui fait 15 cartes, tu as 14 plus l'ultime, donc 15. Ah, c'est aberrant. C'est aberrant, les gars. C'est aberrant. On n'oublie pas, normalement, il y a 4 cartes dans ta pioche. J'en ai fait 15. J'ai ramené 5 fois des cartes. C'est aberrant. C'est aberrant. Et le pauvre bonhomme, bah, c'est frustrant quand c'est comme ça. Bon, voilà. En tout cas, cette game s'est plutôt bien passée. C'est bien déroulé. Alors qu'en plus, je me suis fait contrer mon Rising Rush. Oh, 3 ultras en face de nous, hein. Il y a le Kid Buu, le Rosé et le VB. Là, va pas falloir bégayer des genoux, là. Là, faut pas bégayer, donc bon, de toute façon, on repart avec les mêmes, toujours avec le Gogeta Blue que je mets en premier, non pas le VB, comme j'ai pu vous le dire sur la game d'avant. On va voir ce que ça va donner. Le Kid Buu, attention, c'est vraiment très fort, sauf si j'arrive à l'exterminer avec mon VB, je suis plus inquiet, tu vois. Quand t'as le Vegito Blue Ultra, t'es pas inquiet. Par contre, quand t'as pas le Vegito Blue Ultra, j'avoue, le Kid Buu, attention. Le Kid Buu, franchement, les gars, je l'ai, c'est vraiment impressionnant. C'est, voilà... Entre sa carte verte, tout ça, ça peut aller vraiment très vite avec le Kid Buu Ultra. Mais là, voilà. Avec VB, forcément, t'es un peu plus serein. On va pas se mentir. Allez, let's go. Et comme d'hab, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. C'est parti pour cette game. Ichiyo-Ikuze. Ouais, j'ai pas voulu l'attaquer direct. Parce qu'avec la carte verte, il aurait pu m'expulser et ça aurait fait mal. C'est pour ça qu'il attendait l'enfoiré. Il avait une verte. Donc il avait bel et bien une verte. Et bien joué à lui. Il l'a mis sur le Vegito Blue Ultra. Ok. Ok. Ok, c'est parti. Allez. Viens ici. Voilà. Ah bah là, bonhomme, là, tu vas comprendre là. Là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que je te disais, là. Tu vas comprendre ce que je disais. Pourquoi le Kid Buu ne me fait plus peur. Attends. Attends, parce que j'ai mis Gogeta pour qu'il meure. Mais je crois qu'il meurt pas, en fait, là, le Kid Buu, quand je switch sur le Gogeta comme ça. Je crois qu'il va survivre au chaos. Ah bah ouais, purée, mais je suis Ahmal. Bon, c'est pas grave. Je voulais dire, voilà, je t'avais dit avec le VB et tout. Et après, bah forcément, avec le Gogeta qui était complémentaire pour Rising Rush. Voilà, tu t'es fait allumer. Mais finalement, non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, là. Ok, donc là, voilà, je switch. Ça devrait pas le tuer. Je vais prendre des dégâts, mais ça devrait pas tuer. Ouais, là, j'ai fait une erreur. Mais voilà, c'est comme ça, on fait des erreurs. Mais la game n'est pas terminée. Voilà, bon, il m'a enlevé les 3 quarts. Perfect dodge. Ouf. Ok. Bon. Je suis mal en point quand même. Voilà, vas-y. Voilà. Voilà. Let's go. Ah bah le Rosé Ultra. Bah KO le Rosé Ultra, mon garçon. Non, VB, c'est abusé. Il est que 5 étoiles quand même, mon VB, les amis. On le rappelle. Oh, bah là. Voilà. Let's go, viens ici.
Viens ici, je t'ai dit. Viens, petit bout, viens. On va tapoter. On va tapoter, on tapote. Allez, chaos. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit. Là, avec le VB. Tiens, allez, bim. Bon, bah voilà. Allez. Voilà. Et là, vous savez quoi? On va finir en beauté. On va finir en beauté gentiment. Voilà. Viens ici. Et on finit en beauté avec l'attaque ultime, les amis. On peut poser le téléphone. Voilà, Gogeta qui est venu en complément de Végéto pour finir la game. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est... Voilà, là. Est-ce que vous vous rendez compte? Végéto Blue Ultra, comment il a retourné la situation. Et j'étais mal en point. Je vous avais dit en début de game, attention, Végéto, s'il attrape le Kidbou, bye bye. C'est ce qui s'est passé. Incroyable. Troisième game, oulalalala, 10 étoiles le VB Ultra. Il y a également un Kidbou 10 étoiles aussi. Ah ouais, là, ça va pas... Là, ça va chier des bulles carrées, là. Là, ça va chier des bulles carrées, c'est... Ah ouais, là, le VB 10 étoiles, les frères. Là, c'est costaud. Là, c'est costaud. Ok, d'accord. Ouais, là, ça lui fait une très belle team. Ça lui fait une très, très belle team. Eh ben, let's go, les amis. Hein. Faut pas bégayer. Là, j'avoue, j'aimerais bien l'avoir 10 étoiles, le VB. Hein. Déjà que le mien, vous avez vu, 5 étoiles, c'est une dinguerie. Mais là, 10 étoiles, bah. Ok. Allez, let's go. Voilà. Voilà, let's go. C'est ça que je voulais. Et maintenant, bim. Ish. Oh là 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 là. Hey, VB, en début de game, c'est impressionnant. Non, vraiment, c'est impressionnant en début de game. Oh. Oh là 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 là. Ça s'arrête jamais. Ok, c'est bon. Il a mis la cover. Heureusement pour lui. Hein. Par contre, si je l'attrape là, t'as de la chance. Ok, vas-y, tape. Tape. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Continue. Voilà, continue, vas-y. Y'a pas de problème. Ok, donc là, il récupère l'esquive normalement. Ok. Voilà, parfait. C'est ça que je voulais. La petite cancel, tu t'es fait avoir, là. Ah, et on récupère l'esquive. À chaque mort... Ah ouais, c'est vrai, putain. À chaque mort, vous récupérez l'esquive avec VB. C'est trop fort. Chaque fois, vous tuez un perso. C'est énorme. Donc là, voilà, la jauge, elle va se remplir. Le Gogeta qui récupère des PV. S'il y a besoin, je switch, voilà. Histoire de tanker un minimum, même si je vais prendre des dégâts. Mais vous avez vu ou pas, Gogeta m'a permis de faire monter la jauge unique en me faisant taper. Je récupère des PV. Lui, du coup, il fait sa fameuse ultime. Je switch de perso et ça me fait gagner du temps, tu vois. Voilà, là, c'est fini. Là, frérot, là, t'es finito. Là, t'es finito. Là, voilà. Là, t'es finito, frérot. Là, le Kidbou. C'est cuisine, hein, à la cantoche, la tartine de Nutella dans les jupons de ta maman, cantine dodo, voilà, c'est là, voilà, on tapote, voilà, oh là 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 là, voilà, et là je récupère l'esquive, ah bien wesh, il a vu une petite verte, ok, y a pas de problème frérot, t'as vu une petite verte, je m'attendais pas, très bien, ok. Ok. Ah là là, l'enfoiré, il a cancel. Moi aussi, je voulais lui caler ma verte. Ok, très bien. Ok. Ok. Très bien. Maintenant, let's go. Ah, c'est vrai, à chaque fois que... Bon, c'est pas grave. Chaque fois qu'il tue... Non, mais non, la verte, elle passe avant. Voilà, c'est ça, t'es mort. À chaque fois qu'il tue un perso, j'ai oublié de le prendre en considération là à ce moment-là, il récupère l'esquive. D'accord? Donc, voilà, c'était bien joué. C'était très bien joué. Par contre, là, voilà, Gogeta. 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 Voilà. Voilà. On va faire le main. Voilà. C'est...
C'est une dinguerie. Et voilà. Et je pense qu'on peut poser le téléphone. VB Ultra, Gogeta Blue Ultra, sans complémentaire. Regardez la dinguerie. Voilà, c'est... Franchement, jouer les deux ensemble, c'est pépite. C'est de la pépite. Voilà, clairement, ça fait tellement plaisir. Voilà, c'est un truc de ouf. Vraiment, les amis, c'est un truc de ouf. Voilà, donc on a encore fait une victoire. Et ça se passe très très bien. Alors, je tiens également à préciser dans ces vidéos, pour ceux et celles qui disent dans les commentaires, ouais, mais tu mets que les games que tu gagnes, pourquoi tu mets pas les games où tu perds? Alors, je tiens quand même à vous le redire. Alors, je sais que des fois, pour certaines personnes, c'est compliqué à comprendre. Tu regardes juste mes points, en fait. Ce sont des games à la suite. Hein, si je ne mets pas de game où je perds, c'est peut-être parce que bah, j'en ai pas perdu. Voilà. Ça, c'était le petit message pour ceux qui disent ça. C'est juste, en fait, j'enchaîne. Et parfois, bah oui, j'enchaîne, j'ai pas de défaite. Et du coup, voilà. Donc, voilà, les amis. Max de pouces bleus en mode Genki Dama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Et surtout, on se retrouve prochainement pour un live Dragon Ball Legends, sans doute demain. Et n'hésitez pas également à aller vous follow à ma chaîne Clip et ma chaîne Twitch qui sont dans la description de cette vidéo. Et également aller faire un tour sur le site Instant Gaming pour payer vos jeux moins chers. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Yeah ! Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer... sur vous.